L'intérêt de cette exposition, c'est de découvrir l'évolution d'un artiste du début jusqu'à aujourd'hui. Le travail aujourd'hui est beaucoup plus abstrait. La technique d'associer à la fois le verre, qui est un fluide d'un point de vue physique, et la céramique, qui elle, est un matériau fixe. La philosophie d'Antoine, c'est un questionnement sur le temps qui passe, sur ce qu'est la vie de tout être humain. Le résultat s'offre à l'imaginaire de la personne qui contemple. Les pièces de Loretta Young et de Changi sont des pièces aussi qui participent de ce principe qui consiste à fondre le verre et le faire couler dans un moule. Nous sommes venus ici immédiatement. On sent que c'est un lieu qui est très propice à la mise en œuvre d'une exposition de ce type de pièces.